អញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គមនុស្សម្នាក់ឱកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយដោយអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនដំណឹងបច្ចៈបន្ថែមអំពីព្រឹកមិញការពីព្រឹកមិញរួចហើយថានៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជម្រះនឹងស្ដាប់នៅការចំទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីចំពោះពាក្យសុំតាំងខ្លួន ជាដើមនៅរដ្ឋវនីនិងស្ដាប់នៅការឆ្លើយតបពីមេធាវីតំណាងដើមនៅរដ្ឋវនីចំពោះការចំទាស់នោះហើយអង្គជំរះនឹងស្ដាប់ការចំទាស់ពីការឆ្លើយតបចំពោះការចំទាស់នេះទៅវិញទៅមកគឺថាដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អគឺអង្គជំរះបុគ្គលវេទិកានេះទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីបង្ហាញអំពី ការចំទាស់របស់ខ្លួនហើយការចំទាស់នេះគឺយើងបង្ហាញជាទូទៅហើយនឹងការបង្ហាញជាលក្ខណៈដៃលែកដើម្បីមានការពិភាក្សាជាក់លាក់ចំពោះករណីនីមួយៗសូមជឿញមក Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Comme la Défense l'avait indiqué lundi dernier, nous émettons un certain nombre d'objections quant à la recevabilité ou au bien fondé de certaines constitutions de partie civile. Ces objections tenaient principalement à deux éléments. Le premier de ces éléments est qu'il ressort du dossier que bien souvent, aucun lien de parenté ou de filiation n'est établi entre la partie civile et la victime évoquée. L'autre élément consistait dans le fait d'une absence de preuve du fait que la victime évoquée aurait pu être détenue à F21. Nous avions lundi dernier listé un certain nombre de parties civiles. Si Monsieur le Président, j'ai reçu une à une avec peut-être à mon explication. Il y a tout d'abord deux constitutions de parties civiles. Ne présente absolument aucun lien de parenté ou de filiation avec les victimes telles qu'elles. La Défense pense ainsi en ce qui concerne E2 de l'arrestation générale de la division 310 à laquelle il appartenait en tant Le plaignant dépose plainte en ce qui concerne uniquement les amis et nous estimons que le lien de parenté ou de filiation n'est en conséquence pas établi. Il en est également de même. En ce qui concerne E2, barre de fraction 37, puisque le plaignant porte plainte pour 6 de ses amis arrêtés, បានទាមទារថាមានមិត្តភក្តិចំនួន6នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងសម្រាប់នៅសំភៃមួយហើយមេធាវីការពារសូមបញ្ជាក់ថាមិនឃើញមានទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិនៅទីនេះទេដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងកំណត់ថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនោះពាក្យបកគាត់មិនអាចទទួលយកបានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសាច់ញាតិលោហិតទីនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ចំពោះពាក្យសុំរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីមួយទៀតគឺ ឯពីលើហុកសប្រាំមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនៅថ្ងៃនេះបានជាអល់បង្ហាញថាបងស្រីរបស់គាត់គឺទិញសុភាពថាអាចនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទួលស្លែងចឹងយើងពិនិត្យឃើញថាទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងជន់រងគ្រោះនេះគឺមិនបានបង្ហាញផ្ទាំងឲ្យច្បាស់ទេពីព្រោះថានៅពេលមេធាវីការពារពិនិត្យមើលលើឯកសារក្នុងសំណុំរឿងទៅ
à savoir Madame Pen, Sopéa, était la fille de Von Wett, alors que la cliente elle-même se dit être la fille de Von Wett et de Tan Chin. Donc nous pouvons constater que l'affiliation est totalement différente. Également, comme problème de filiation, nous pouvons évoquer un certain nombre de participants que je vais énumérer et pour lesquels, de ce point, il apparaît qu'il ne figure pas au dossier d'éléments, ou tout au moins pour certaines d'entre elles, d'éléments suffisants qui nous permettent de considérer que les victimes ont bien été détenues S21. Il en va ainsi des parties civiles suivantes, D25/15, qui fait état de trois de ses frères qui auraient, selon lui, été détenus à S21, mais nous n'avons rien dans le dossier qui permette de faire un rapprochement entre le plaignant et les parties civiles, et aucun document mis à part des données biographiques concernant un dénommé qui ont été établis par DICICAM qui permettrait de dire que les victimes ont été détenues à S21. Nous sommes dans la même hypothèse en ce qui concerne les parties suivantes, E2/15, ne vient attester le lien de parenté évoqué et aucun document également ne prouve que les victimes ont été détenues à S21. Il en est de même pour le dossier E2/38, le plaignant présume que son grand-père a été tué à Tulsland, mais sans du tout souvenir de documents qui démontrent que la personne qu'elle évoque était son grand-père, et sans du tout également fournir de documents relatant que son grand-père aurait pu être détenu à S21, étant précisé que le nom de son grand-père n'apparaît en cas particulier nullement sur la liste des prisonniers de S21. Il en est de même pour les parties civiles suivantes, E2/63, pas de lien de filiation, pas de démonstration de ce que la victime a pu être détenue à S21 et pas de nom de la victime sur la liste des prisonniers.
64 barre de fraction 65 où nous n'avons dans ce dossier quasiment aucun document qui attesterait que l'oncle de la plaignante ait pu être détenu à S21. Aucun document également au dossier en ce qui concerne E2 barre de fraction 69, E2 barre de fraction 70, E2 barre de fraction 71, E2 barre de fraction 73, étant précisé que là aussi je me permets d'attirer l'attention de la Chambre sur le fait que nous n'avons au dossier aucun document en langue française, hormis la lettre de désignation de l'avocat, même hypothèse. En ce qui concerne E2 barre de fraction 74, E2 barre de fraction 75, E2 barre de fraction 76, où la plaignante fait état d'un frère aîné, soldat de l'Honnol, qui aurait été retenu et tué à Tchon Sleng. Nous a parlé le fait que la plaignante porte le même nom que la victime. Aucun élément du dossier ne permet de justifier du lien de filiation qui peut unir ces deux personnes, et surtout également, il n'y a pas aucun dossier de documents attestant de ce que la victime aurait été détenue à S21. Là encore, le nom de cette victime ne figurant pas sur la liste des prisonniers. Il en est de même toujours pour E2 barre de fraction 77, E2 barre de fraction 81, E2 barre de fraction 82 et enfin E2 barre de fraction 83, toujours pas de lien de parenté avec la victime, pas de document prouvant le lien entre la victime et S21. La partie civile en ce qui concerne E2 83 avait indiqué en 2008 qu'elle avait vu une photo de son oncle à Tchon Sleng, mais cette photo n'a jamais été versée au débat, ou en tous les cas, n'a jamais été versée au débat. Enfin, je voudrais revenir sur deux autres parties civiles, D-25, 20, se pose en l'état des éléments qui figurent au dossier des difficultés quant au lien de parenté entre le plaignant et la victime, également quant au lien entre la victime et S21, également E2 barre de fraction 35, où nous n'avons aucune preuve du lien de parenté entre le plaignant et la victime évoquée, qui serait son neveu, et en ce qui concerne les documents qui pourraient établir la présence de ce neveu, La partie civile n'avait aucune preuve du lien de parenté entre le plaignant et la victime évoquée, qui serait son neveu, à S21.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements de la part de la défense. Voilà, nous avez dit qu'il y avait en gros deux catégories d'objections. Pas très habitué à utiliser le terme d'objection. Et je voudrais savoir si vous considérez que l'absence de preuve d'un lien de parenté constitue l'absence de preuve de la qualité à agir en tant que partie civile. C'est bien cela. Et si l'absence de preuve de ce que la victime alléguée n'a pas été détenue, n'a pas de lien avec S21, constitue ce que l'on pourrait appeler l'absence de preuve du bien fondé de la personne participe. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est si dans la liste que vous venez de nous donner figurent également les objections qui ont pu être soulevées concernant les parties civiles qui sont venues témoigner à l'audience, ou est-ce que ça ne concerne que, je dirais, les parties civiles restant. Il n'y a aucune contrainte, bien sûr, péjorative dans le mot restant. Permettez-moi peut-être de répondre tout d'abord à votre seconde question. Effectivement, la liste des parties civiles que nous venons de vous donner ne concerne que les parties civiles dont l'audition n'avait pas été sollicitée. La défense avait déjà fait valoir lundi dernier et même lundi il y a 15 jours les observations clés. Elle avait fait valoir sa position concernant les parties civiles qui avaient déjà été entendues, mais également les parties civiles qui allaient être entendues. La liste des parties civiles que nous venons d'évoquer ne concerne que celles qui n'ont pas encore, dont il n'est pas prêt, dont l'audition n'est pas prévue. Pour répondre à votre première question, bien entendu, si les parties civiles ne rapportent pas l'existence d'un lien de parenté entre elles et la victime, nous considérons que leur constitution de parties civiles est irrecevable, puisque l'intérêt à agir tel qu'il est exigé par le règlement intérieur ne serait pas au cas particulier établi. En ce qui concerne les victimes, nous ne démontrerons pas qu'il existe un lien entre Trình được làm việc nữa. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, pardon, pour clarifier les choses et pour que vous compreniez comment nous entendons procéder de ce côté de la barre, laissez-moi vous expliquer la situation. Je pense parler au nom de mes collègues. Avant d'entrer dans un examen dossier, nous remettons en question la possibilité pour la défense de venir à ce stade remettre en cause la recevabilité des constitutions de partie civile. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et d'après ce que je comprends, je ne suis pas le seul de ce côté de la barre qui désire s'exprimer sur cette question-là. Donc, si c'est possible pour vous, je demande simplement 4 ou 5 minutes pour mon exposé. Et puis peut-être un ou deux de mes collègues, je sais, aimeraient également être entendus sur cette question préliminaire avant que nous entrions dans un examen plus en détail. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la recevabilité des constitutions de partie civile est régie par deux articles qui sont en quelque sorte des articles miroirs du règlement intérieur. L'article 23, paragraphe 4, et l'article 83, paragraphe 1. Et si on lit de façon conjointe l'article 23, paragraphe 4 du règlement intérieur et l'article 83, paragraphe 1er du règlement intérieur, il est tout à fait clair que l'examen sur la recevabilité de la demande des constitutions de parti civil doit avoir lieu à l'audience initiale, pas après. Aucune autre lecture de l'article 23, paragraphe 4, en conjonction avec l'article 83, paragraphe 1, aucune autre lecture ne peut être faite. Et il est absolument clair qu'un débat sur la recevabilité, sur le bien ou sur la recevabilité des constitutions participatives doit avoir lieu à l'audience initiale. L'audience initiale, comme vous le savez, a eu lieu les 17 et 18 février de cette année, et un examen a eu lieu à l'audience initiale, notamment sur les parties civiles suivantes: E2 barre de fraction 36, E2 barre de fraction 51, E2 barre de fraction 69. Il a été discuté en détail, si vous vous souvenez, à l'audience initiale, de la recevabilité sur l'identité de ces parties civiles, à tel point que vous avez rendu une décision sur ces parties civiles. Cette décision a été rendue le 4 mars 2009, décision sur le statut des parties civiles, application E236, E251, E269, et vous avez déclaré inadmissible dans cette décision, inadmissible, irrecevable, la constitution de partie civile E236. Donc cet examen a eu lieu. Alors, il est absolument vrai que dans le règlement intérieur, tout peut être une certaine ambiguïté, mais qui, à notre avis, ne change rien à notre argument. Il est vrai que l'article 100, paragraphe 1 du règlement intérieur, vous laisse l'opportunité, jusqu'au moment du jugement, de déclarer inadmissible, irrecevable, une constitution de partie civile. Vous avez le loisir, jusqu'au moment où vous rendrez votre jugement, de déclarer que telle ou telle partie civile est irrecevable. Mais cela ne change absolument rien au fait qu'une contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile par une partie, que ce soit la défense ou une autre partie, ne peut intervenir, encore une fois, selon les règles que j'ai mentionnées, que durant l'audience initiale et à aucun autre moment. Et ça, il y a une logique, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, à cela. Lorsqu'une partie civile
est déclarée, lorsqu'une constitution de partie civile est déclarée irrecevable ou inadmissible, ça ouvre une voie de recours. Et cela est prévu à l'article 23, paragraphe 4. Une voie de recours pour la partie civile qui peut recourir contre cette décision d'inadmissibilité devant la Chambre de la Cour suprême. Alors, je pense que le juge Lavergne, lundi passé, a effectivement interpellé la défense. J'avais le transcript, mais Maître Canizares l'a confirmé aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème pour savoir de quoi est-ce que nous parlons. Et le juge Lavergne a notamment posé la question sur le lien de filiation en demandant est-ce que c'est une question de bien fondé ou est-ce que c'est une question de recevabilité de la demande de constitution de partie civile. Et Maître Canizares, comme elle l'a fait aujourd'hui, a très clairement dit c'est une question de recevabilité. Et aujourd'hui, elle nous a dit que toutes les autres questions également sont une question de recevabilité. Et nous sommes d'accord avec Maître Canizares pour dire qu'en effet, ces questions sont une question de recevabilité. Et nous nous basons pour ce faire sur l'article 23, paragraphe 2 du règlement intérieur, qui parle précisément de la recevabilité du problème de la recevabilité, dit ceci: pour que l'action de la partie civile soit recevable, le préjudice subi doit être, petit a, corporel, matériel ou moral, petit b, la conséquence directe de l'infraction personnelle née et actuelle. Donc, notre position de ce côté de la barre est que tant le lien de filiation qu'également le lien entre la partie civile et la personne détenue à tout le SNEG, à notre avis couvert par l'alinéa 2, lettre B, tout cela, ce sont des problèmes d'admissibilité ou de recevabilité qui devaient, par la défense, être soulevés en février et ne peuvent plus être soulevés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, ce qui resterait, et nous nous basons sur ce qui a été dit par le juge Lavergne en février, durant l'audience initiale, ce serait la réalité du préjudice. La réalité du préjudice, en d'autres termes, ce serait la remise en cause du fait que la souffrance de notre partie civile constitue un préjudice suffisant. Et ça, est la seule chose, à notre avis, qui pourrait être encore remise en cause aujourd'hui, mais pas la recevabilité. Alors, et encore une fois, je vais laisser dans une seconde la parole à mes confrères, mais nous demandons à la Chambre préliminaire, nous demandons à la Chambre préliminairement, à tout autre débat, et avant qu'on doive se justifier, parce que la plupart, beaucoup des questions sont sur les liens de filiation ou sur le lien avec la personne AS21, nous demandons à ce que la Chambre statue sur cette question, et disent exactement si oui ou non la défense, selon le règlement intérieur, est aujourd'hui, à quelques semaines de la clôture de ces audiences, est aujourd'hui habilitée à venir remettre en cause la recevabilité, l'admissibilité des constitutions de partie civile pour 26 parties civiles. Je vous remercie. មេធាវីក្រុមមួយខាងភិក្ខុជាតិតើមានមតិយោបល់អ្វីទេបញ្ហានេះលើកឡើងនៅការចំទាស់ទៅនឹងបណ្ដឹងតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋមីមួយចំនួនហើយដែលលើកឡើងដោយមេធាវីអន្តរជាតិទៅហើយ Sông cổ lục thiên, tệ tông tên năng cho nói nên 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 nhóm mở sông thua ca công tơ cho mùi năng ở xã thiết tạ bóc nhân để ban lực làng bánh mình. Sông mạc con. Chuyện mệt vì đã mở đăng rập này cổng pi. Sông ngọc khấn lục thiên, sông cổ lục trẻ phóng, năng lục trẻ phóng chiếc ăn trại chiếc ngọc ta. Oui, Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord, bien entendu, avec les observations qui ont été développées par Maître Werner, et je m'associe totalement à ces observations. Et je demande en effet que l'on puisse avoir un débat sur ce problème particulier avant d'aborder véritablement les autres problèmes qui peuvent découler de la constitution de participation.
pia som tang khluon che dam dang rot ve ni nu chơi mit vi krom 4 men panha ai te som ok kon lok thien che mat ko mien chomnoch tich tuich te ti 1 keu som control no ka leuk lang robos lok metavi along venus hai ti 2 tiet che mat som chomrieb lok prathien tha តតងជាមួយនឹងឯកសារដែលខាងមេធាវីការពារគាត់លើកឡើងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នេះក៏មានការលើកឡើងអំពីជនចោតការពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីសវនាការផងដែរថាឯកសារនោះមិនទីសមក 26 នេះជួនកាលមានជួនកាលបាត់បង់ក្រោយពេលដែលឈ្មោះអិនឡូនហៅណាតដែលប្រធានមុនហើយលោកដូចគាត់កាន់កាប់តាមក្រោយ ຈັ່ງ ເປ ຄ້າລູກໂດຍຕວາລគាត់ຕຕួលສະກວາມັນມີຮູບຖອດແຕ່គាត់ຕຕួលສະກວາໃຫ້ຄ້າມີឯກສາແຕ່ມັນມີອໄວບັນຈັດສິ່ງຕິດແຕ່ລູກດັງລູກຕຕួលສະກວາດັ່ງນັ້ນໃນຕ້ອງຈຸດນີ້ຈະຕ້ອງឯກສາພໍ່ຕ່າງແຕ່ຕ້ອງຈຸນລົງຄູແລະຕ້ອງຄົມຄູນຫຼືກໍຕ້ອງບານຍົກໂຕສໍາລັບໃນທີ່ນາໃສງກ່າວປີສໍ 26ក្នុងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីលេខ E2/83និង E2/64គឺខ្ញុំបានតាក់ទងទៅជួបផ្ទាល់ហើយដែលគាត់នៅឆ្ងាយនៅខេត្តកោះចេះផងដែរគាត់ថាគាត់បានដាក់ជូនតាមរយៈអង្គភាពជនរងគ្រោះដូច្នេះបើសិនជាពេលនេះ មកទៅខាងតំណាងសហប្រាជ្ញាវិញបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយភាគីមេធាវីការពីក្តីហើយមានការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីទាំង 4 ក្រុមមកបាញ់មិញនេះតើតំណាងសហប្រាជ្ញាមានអ្វីត្រូវនិយាយដែរទេជើញ Merci monsieur le président. À ce stade-ci, nous n'avons pas d'observation à faire, si ce n'est que cette question nous paraît effectivement devoir être tranchée avant d'entrer dans le vif des débats et les cas particuliers qui ont été contestés par la défense. Mais depuis, quand il y a des
Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques remarques. D'abord, j'observe que mon confrère Aung Kyi-sung est intervenu dans le fond du débat, ce qui d'office annule la demande présentée par mon confrère Werner. Vous ne pouvez pas à la fois dire que nous sommes irrecevables et à la fois rentrer dans le fond du débat. Donc vous êtes rentré dans le fond du débat, ce qui veut bien dire que votre argument était fallacieux. Mais il est également fallacieux et tardif. Mon cher confrère, je crois savoir que lundi dernier, la semaine dernière, la Chambre a demandé à la Défense de bien vouloir se préparer à faire état de ses objections. Si vous aviez des observations à faire, vous deviez les faire à ce moment-là et pas aujourd'hui. La Chambre a expressément demandé à la Défense, il y a une semaine, de se préparer au débat d'aujourd'hui. Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas protesté, et vous attendez que le débat se fasse pour émettre une protestation. Et l'un d'entre vous rentre dans le fond du débat. Et puis, dernier point, vous voudrez bien tous vous reporter à l'audience initiale où je rappelle qu'un certain nombre de dossiers de partie civile avaient été admis provisoirement et que dans ces conditions, la Défense avait demandé expressément à ce que lui soit réservé son droit de contester les parties civiles qui étaient admises provisoirement. Et jusqu'à preuve du contraire, ça avait été autorisé. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si ce que je ne pense pas, mais si les partis civils veulent maintenir leur objection, alors nous serons obligés de demander une suspension d'audience pour reprendre les actes des semaines précédentes et notamment de l'audience initiale et pour pouvoir répondre de manière un peu plus approfondie. Et c'est d'ailleurs ce qui aurait dû être fait dès lundi dernier. Il aurait été convenable que dès lundi dernier, les parties civiles nous disent « On vous prévient, on s'opposera à ce que vous fassiez aujourd'hui des objections. » Les parties civiles n'en ont rien fait. Elles arrivent au dernier moment en nous disant « Nous refusons vos objections, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, dans ces conditions, au minimum, la Défense demande à ce que vous lui accordiez une suspension d'audience pour pouvoir répondre à cet argument dont je maintiens qu'il est fallacieux. » Monsieur le Président, puis-je répondre brièvement? Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, trois points soulevés. Le premier, je suis en audience avec ma collègue responsable pour 38 civils partis. Et pas une de plus. Donc je ne suis pas responsable des commentaires des autres groupes. Et la position qui est la position de ma collègue Tichrina et moi-même est une autre position, nous ne sommes pas liés par la position d'un autre groupe. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui me semble être clair, c'est la situation depuis le début du procès. Je vous rappellerai que plusieurs fois, de ce côté de la barre, nous avons eu des positions divergentes. Cela a été compris et accepté. C'est la première chose. La deuxième chose par rapport à lundi passé, mon confrère ne se souvient pas parce qu'il n'était pas là.
Mais lundi passé, il n'a pas été donné aux partis civils le droit de parler. Il n'a pas été donné aux partis civils ni à la procureure le droit de s'exprimer. Il a simplement été effectivement dit à la défense de se préparer. La défense a effectivement émis un certain nombre d'observations. Et ce que l'on nous a dit, c'est que nous devions préparer nos observations aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous faisons part à la Cour de nos observations. Alors, ce qu'il y a de fallacieux là-dedans, il faut me l'expliquer. Puis la dernière chose que j'aimerais dire, parce que j'ai avec moi, tout à fait entré dans ce débat-là, si vous le voulez, le transcript de l'audience de février, effectivement, Maître François Roux a bonne mémoire, et effectivement, Maître François Roux a réservé un certain nombre de choses, mais ces réserves ne lient que lui et que la défense. Et nous ne sommes pas liés par les réserves que la défense a émises en février. Nous sommes liés par le règlement intérieur. Et ce que nous vous disons, c'est que selon les articles du règlement intérieur que j'ai précités, la défense, il n'y a aucune base légale, aucune base légale qui permet à la défense aujourd'hui de venir remettre en cause l'admissibilité et le bien, l'admissibilité des constitutions parties civiles. Et il est à mon avis ironique, que Maître Roux ne se base pas et ne puisse pas répondre sur le règlement intérieur et sur les règles de droit, parce que il ne trouvera rien aujourd'hui ou demain ou après quelconque suspension d'audience qui lui permette de nous expliquer sur quelle base légale la défense se fonde pour venir aujourd'hui remettre la recevabilité des constitutions de partie civile en cause. Je vous remercie. Très brièvement, Monsieur le Président, l'article sur lequel nous nous basons est évidemment l'article 100 du règlement intérieur. C'est d'ailleurs sur cette base-là qu'à l'audience initiale, j'avais émis des réserves. Et si j'ai bien compris, comme mon confrère, ce que autorise cet article 100, il autorise la Chambre à décider elle-même. La Chambre a demandé à la Défense ses observations pour pouvoir décider elle-même. Voilà. Nous avons fait nos observations pour pouvoir permettre à la Chambre de décider elle-même en fonction de l'article 100. Donc, votre contestation de nos observations, c'est bien ce que je dis, est irrecevable, mon cher confrère. Nous répondons, puisque vous demandez quelle est la base de notre intervention, nous répondons à une sollicitation qui nous a été faite par la Chambre, dont j'imagine que c'était une demande qui se faisait dans le cadre de l'article 100. C'est en tout cas comme ça que nous l'avons conçu. Mais vous-même, vous en faites tout à fait autre chose. Et vous nous dites, vous situez dans le cadre des articles 23-4, 83-1. Ça, c'est vous qui vous l'inventez pour vous-même, pour une raison de stratégie, de faire un coup judiciaire. Nous sommes aujourd'hui, excusez-moi, nous répondons aujourd'hui à une demande qui a été présentée à la Chambre. Et nous sommes dans le cadre de la demande présentée par la Chambre. Nous ne sommes pas ailleurs. Et la Chambre a tout pouvoir sur la base des observations qu'elle recueille et en vertu de l'article 100 du règlement intérieur a tout pouvoir de statuer sur le sort des participants. អង្គជំនុំជម្រះមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការសម្រេចទៅលើស្ថានៈនិងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីជើញលោកអឡង្វឹកណឺហើយដូចជាអាចគួរតែត្រូវបានជាក់ច្បាស់ទេម្ដងនេះឬក៏លោកអាចងើបប្រមាណដងទៀត Merci, Monsieur le Président. La Chambre n'a pas demandé à la défense, elle a demandé la nature de ses objections.
Et nous étions de ce côté de la barre très intéressés de savoir quelle était la nature de ces objections. La nature de ces objections pouvait se fonder sur l'admissibilité ou la recevabilité ou le bien fondé ou autre chose. Et c'est précisément la raison pour laquelle le juge Laverne, lundi passé, a demandé à Maître Canizares de préciser la nature de ses objections, parce qu'il n'était pas clair quelle était la nature de ses objections. Et Maître Canizares, de façon candide, comme elle l'a fait aujourd'hui, nous a dit que la nature de ses objections était sur l'admissibilité. Et sur cette base-là, nous levons et nous disons que, sur les articles que nous avons cités, vous n'êtes plus autorisé, la défense n'est plus autorisée, selon le règlement intérieur, à soulever ces objections. Si les objections de la défense avaient été sur le bien fondé, vous auriez été sur le bien fondé, la question aurait été différente. Merci. Thank you, Mr. President. A point of clarification, if I may, Mr. Werner, as you appear to be speaking, or at least your submissions are supported by the other civil party groups. If during the course of the hearing, it becomes apparent that there is an issue over questions of kinship or detention at S21, do you suggest that the Chamber has no jurisdiction to consider that, those issues? Merci, Madame la Juge, pour cette question. Bien sûr que vous avez tout loisir, et comme je l'ai rappelé, effectivement, la règle 100 vous permet, jusqu'au moment du jugement, de prendre toute décision qu'il vous plaira de prendre sur l'admissibilité. Ça, c'est parfaitement clair, ça ressort parfaitement clairement du règlement intérieur. Et comme vous l'aurez remarqué, mon groupe a déposé, lorsque mes parties civiles sont venues devant vous et devaient répondre aux questions, tant de des juges que de la défense, que des procureurs, nous avons. En effet, nous sommes justifiés et nous avons déposé des écritures pour quatre de nos parties civiles qui venaient devant vous et nous avons expliqué un certain nombre de choses parce que nous avons considéré que, appelons nous-mêmes devant vous à la barre nos parties civiles pour s'exprimer devant vous, il était effectivement de notre devoir d'expliquer un certain nombre de choses parce que, comme vous l'avez fait dans la directive que vous avez publiée, vous alliez demander à ces parties civiles-là de justifier un certain nombre de choses. Donc, il n'est pas du tout remis en cause le fait que la Chambre a tout à fait le droit, encore une fois, selon l'article 100, de poser des questions sur ces choses, et encore une fois, nous-mêmes, sans que personne nous demande, nous avons déposé des écritures en amont, avant que nos parties civiles ne viennent, pour vous expliquer notamment notamment le détail des liens de filiation. Donc, cela n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est que la défense, aujourd'hui, revienne, alors qu'encore une fois, une lecture absolument claire, tant la lettre que l'esprit du règlement intérieur ne permet pas de le faire, elle revient à trois semaines de la fin des débats et pour 26 parties civiles remet en cause notamment les liens de filiation. C'est cela que nous contestons, mais absolument pas le fait que la Chambre effectivement peut encore une fois jusqu'au moment du jugement décider et donc demander des questions aux parties sur que devront être éclaircies par les parties. Absolument aucune question pour nous à ce sujet. J'espère avoir répondu à la question. So it follows then that if the Chamber asked for clarification of the list of civil parties that the defence has suggested as lacking elements of kinship, proof of kinship or other elements of admissibility, then you could not object to that. Is that what your argument leads you to? Madame la juge, notre
notre compréhension. Ma compréhension de la situation est que la Chambre a demandé à la Défense de préciser quelles sont, si elle a et si oui, quelle est la nature de ces objections par rapport à les applications de partie civile. Et si alors vous voulez qu'on revienne à l'audience de février, le juge Lavergne, et je peux tout à fait citer ce qui s'est dit, il y a eu un échange entre le juge Lavergne et François Roux, et le juge Lavergne a expressément demandé à François Roux de confirmer que sur la recevabilité, il n'y avait plus de protestation par la défense de François Roux, et c'est la page 46 en français de l'audience du 17 février 2009. François Roux a dit qu'effectivement, à ce stade-là, il n'y a plus de contestation sur la recevabilité. Une autre compréhension est que les contestations par la défense sur la recevabilité se sont terminées à ce moment-là, parce que précisément selon le règlement intérieur, ces contestations ne peuvent avoir lieu qu'à ce moment-là. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle vous avez rendu, votre chambre a rendu, un certain nombre de décisions sur la recevabilité qui, encore une fois, ouvre une voie d'appel. Donc la situation aujourd'hui avec la défense qui vient et qui remet en cause 20 ou 25 constitutions parties civiles, ouvrir la voie à un recours devant la Chambre suprême pour chacune de nos parties civiles à trois semaines avant la clôture des débats, nous considérons encore une fois, en nous basant sur le règlement intérieur, que si la défense vous répond et vous dit notre contestation, c'est la recevabilité, nous nous levons simplement et nous disons, selon notre lecture du règlement intérieur, vous n'êtes plus autorisé, c'est trop tard, vous deviez le faire en février, vous n'êtes plus autorisé à remettre en cause la recevabilité. Madame le juge, ma compréhension de la contestation par la défense des 20, je ne sais pas le nombre exact, des 20 ou 25 parties civiles, ce n'est pas des choses qui ont lieu en audience, parce que ces personnes ne sont pas venues en audience. Donc, c'est simplement une recherche que la défense a faite à un moment donné, et elle vient aujourd'hui vers vous, et elle vous dit, pour telle partie civile, il n'y a pas de lien de... On n'a pas de famille de carte d'identité, on n'a pas cet élément-là, Ce n'est pas des choses qui découlent de quelque chose qui s'est passé en audience, c'est des recherches qu'a fait la défense, et elle vient aujourd'hui, elle vous dit, on vous signale à trois semaines de la fin, ou quelques semaines de la fin du débat, que nous remettons cela en cause. Et encore une fois, nous vous disons que cette remise en cause-là, spécifique sur l'admissibilité, a eu lieu pendant deux jours, en février, notamment quatre ou cinq, on a discuté, notamment mon groupe a dû se justifier sur le lien de filiation pour une des parties civiles, et vous êtes venu avec une décision. Nous avons décidé de ne pas faire appel parce que vous donniez droit à notre décision. Un autre groupe s'est vu refuser son application. Ils ont décidé de ne pas faire appel. C'était leur droit. Et ça s'est passé en février. Mais pour répondre à votre question, moi, je ne vois rien qui s'est passé en audience devant vous et qui aurait aujourd'hui ouvert la voie à la défense venir sur 20 ou 25 de ces parties civiles, venir nous dire on est désolé, pour nous, ce n'est pas admissible. Encore une fois, l'admissibilité, c'est en février. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de venir remettre en cause l'admissibilité qui, encore une fois, ouvrirait des voies de recours pour chacune des parties civiles. Well, one final practical question then. If the chamber decides to proceed and hear argument on these questions, are the civil party lawyers ready to proceed? Madame le juge, comme je ne suis pas l'avocat du groupe numéro 1, du groupe numéro 3 et du groupe numéro 4, du groupe numéro 2, du groupe numéro 3, du groupe numéro 4, laissez-moi vous répondre pour mon groupe.
nous avons 10 parties civiles qui ont été contestées. Sur les 24, nous avons d'autres groupes, 10 parties civiles qui ont été contestées. Sur 5 d'entre elles, nous avons fait des recherches et nous avons des documents et nous sommes prêts à tout moment à entrer sur le fond du débat. Et j'aurai moi-même, si c'est la voie que décide de suivre la Chambre, j'aurai moi-même des observations sur les 5 autres. Donc, notre groupe, nous sommes prêts aujourd'hui, mais encore une fois, parce que mes arguments juridiques me semblent, peut-être je suis le seul, mais enfin ils me semblent valables. Encore une fois, nous demanderions une décision avant de procéder. Mais nous sommes, mon groupe, nous sommes prêts à entrer dans le fond du débat. Mr. President, it may be that counsel for the defence wishes to comment on the matters that I have raised with the civil parties. Civil party group three. First, please. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Monsieur les juges. En effet, notre groupe numéro 3, nous nous associons totalement, bien entendu, avec la demande qui a été présentée par Maître Werner. Nous avons exactement la même position en ce qui concerne la position de la défense aujourd'hui sur la recevabilité des constitutions de partie civile. Par ailleurs, pour notre groupe, nous sommes aussi tout à fait prêt, à quelque moment que ce soit, à répondre aux interrogations de la Chambre sur chaque dossier concernant nos constitutions de partie civile. Sur le bien fondé de ces constitutions de partie civile, nous aurons à ce moment-là, quand la Cour nous demandera de bien vouloir nous exprimer sur ce problème-là, nous avons bien entendu des observations générales et liminaires et ainsi que des propositions à faire. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il faut, de toute façon, régler ce problème qui est soulevé et d'indiquer si, en effet, la défense peut aujourd'hui s'opposer à la recevabilité des constitutions de partie civile, ce qui ne me semble en aucun cas possible, car, en effet, c'était à l'audience initiale que ce problème devait être normalement abordé par la défense, puisqu'il y avait, en effet, cette possibilité pour les parties de relever appel. Pour notre groupe, nous avons eu un dossier qui a été déclaré irrecevable par la Chambre. Il n'y avait pas de carte d'identité de notre partie civile. Nous n'avons pas relevé appel de cette décision et il n'y avait aucun problème sur ce dossier particulier. Donc je cite encore เรื่องเปี่ยสมนึงมวยหนึ่งจังខ្ញុំគ្រប់តរអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ឡើងដោយមេធាវីអឡង់វ៉ាណានោះដូចលោកមេធាវីហុងកំសួនសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីលោកចៅក្រមម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេធាវីហុងកំសួនតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទាំងក្រុមទី2និងក្រុមទី4 ចឹងគេបាទសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ទាំងពីរក្រុមនេះតែម្ដងទី1ផ្ទុយទៅបាត់លោកមេធាវីបរទេសអឡង់វេណឺជាតំណាងមេធាវីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រុមមួយគាត់ក្នុងនាមក្រុមរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមក្រុមពីរនិងក្រុមបួននៅតែទទួលយកមានន័យថាឯកភាពតាមការលើកឡើងរបស់គាត់និងមេធាវីក្រុមបីផងដែរហើយបើនិយាយចំទៅទៀតក្នុងនេះមិនមានកូនក្តីឬដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងក្រុមបួនដែលត្រូវបានមេធាវីការពារជំទាស់
mon confrère Alain Werner. Je n'étais pas présent à l'audience de lundi dernier, étant retenu par mes fonctions au tribunal du Liban, comme vous le savez, mais j'ai des yeux pour lire et j'ai des oreilles pour entendre ce qui se dit, même à distance. Et j'ai compris que la demande qui a été faite par la Chambre est une demande qui est venue de la Chambre. Donc, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, vous n'êtes pas aujourd'hui saisi d'une requête de la Défense tendant à déclarer irrecevable des parties civiles. Aujourd'hui, la Défense se contente de répondre respectueusement à la demande qui a été présentée par la Chambre. Et j'imagine que cette demande présentée par la Chambre a été présentée dans le cadre de l'article 100 du règlement intérieur. J'imagine que la Chambre, dans sa sagesse, se pose un certain nombre de questions sur des dossiers de partie civile. Et la Chambre, dans sa sagesse, a souhaité recueillir les observations de la Défense et bien entendu des parties civiles. Et la Défense, présentant ses observations, fait observer qu'effectivement, alors que le débat a commencé depuis plusieurs semaines, pour un certain nombre de dossiers, les parties civiles n'ont toujours pas rapporté les éléments nécessaires pour que les personnes qu'elles représentent soient déclarées ou recevables ou bien fondées. Vous n'avez pas apporté ces éléments. La Défense, répondant à la demande de la Chambre, s'est contentée de faire le point de tout cela et très respectueusement de soumettre ces éléments à la Chambre. Et la Chambre prendra les décisions qu'elle a à prendre au vu des dossiers sur lesquels la Défense a travaillé à sa demande, pas de sa propre initiative. Je le répète, nous n'avons pas déposé nous-mêmes de requête. Nous nous contentons aujourd'hui de répondre aux demandes de la Chambre. Et nous vous disons, et nous attirons votre attention, et nous attirons l'attention de la Chambre en disant « Attention, ces dossiers ne sont pas complets ». Et effectivement, en l'état de ces dossiers incomplets, la Défense estime que ces constitutions sont soit irrecevables, soit infondées. Et c'est la Chambre qui demande et c'est la Chambre qui décide jusqu'à la fin des débats. Voilà pourquoi je dis que l'observation était intéressante pour un jeu de procès, mais qu'elle est totalement irrecevable pour le coup, mon cher confrère.
ដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់ផងហើយបញ្ហាក៏មិនទាន់ច្បាស់លាស់ផងចឹងអង្គជម្រះប្រកាសសម្រាប់30នាទីរហូតដល់ម៉ោង3:10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសម្ដែងការ Sông trên cầu trường. សូមអញ្ជើញគាត់ចុះក្នុងជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការហើយជាបន្តនេះដើម្បីឲ្យបានច្បាស់នៅដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់មេធាវីការពារក្តីនិងសេចក្តី កថាអធិប្បាយតបរបស់មេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋវិនីនៅក្នុងបញ្ហាដែលកើតឡើងមុននេះគឺអង្គជំរះសូមខ្ញុំប្រគល់ភារៈនេះទៅលោកចក្រមសងម៉ាក់ដើម្បីឆ្លើយតបដោយសារហេតុនៃភាសា នាំឲ្យមានបញ្ហាមួយដែរហៀរដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការស្ដាប់យល់អំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសងម៉ាក់ Oui, merci monsieur le président. Tout d'abord, peut-être une précision en ce qui concerne la demande qui avait été adressée par la Chambre à la Défense. Il y a sans doute eu un problème de formulation, peut-être de traduction, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas, il est clair que l'intention de la Chambre était de demander à la Défense de faire des commentaires sur les problèmes concernant les constitutions de partie civile qui pouvaient survenir à ce stade des débats. Donc, vous pouvez aussi bien concerner la recevabilité que le bien fondé. Nous avons pris note de ce que les parties civiles elles-mêmes ont appelé une question préliminaire, à savoir si la défense avait le droit à ce stade des débats de remettre en cause la recevabilité des constitutions de partie civile. Nous avons donc pris bonne note de cette question. Nous entendons cependant, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de garantir la rapidité des débats, nous souhaitons cependant que les parties civiles donnent ces observations, fournissent ces observations sur les arguments qui ont été soulevés par la défense en ce qui concerne ces constitutions partisanes. Donc, nous entendrons les avocats des partis civils demain et nous leur demanderons donc de s'expliquer sur ces arguments qui concernent à la fois la preuve d'un lien de parenté ou d'un lien
entre la personne qui ont pu être détenues à 621 et les personnes qui se sont constituées parties civiles. Et également les problèmes concernant la preuve de l'existence d'un lien avec les faits survenus à S21. Voilà. Étant précisé que nous rendrons une décision commune à la fois sur cette question préliminaire ainsi qualifiée par les parties civiles et sur le mérite des arguments qui ont été soulevés par la défense à la demande de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Juste une observation. Nous avons profité de la pause pour ressortir le transcript de l'audience initiale. Et j'invite toutes les parties, et très respectueusement la Chambre, à bien vouloir se reporter à ce transcript de l'audience initiale, où il a été clairement dit que c'était une reconnaissance provisoire qui était accordée aux parties civiles. Je rappelle qu'à cette époque, nous avions des problèmes de traduction, nous avions des problèmes de délai, et donc la Chambre a décidé, ce qui n'est même pas marqué dans le règlement intérieur, de sa propre initiative. La Chambre a dit « c'est une reconnaissance provisoire ». Et là-dessus, la Chambre a demandé les observations des parties. Et j'invite tout le monde à se reporter aux observations de la défense qui disent ceci en français. Maître Roux, oui, monsieur le juge, d'une manière générale, la défense ne souhaite pas s'opposer, bien entendu, aux constitutions de partis civils. Toutefois, la défense souhaite indiquer à la Chambre que pour un certain nombre de partis civils, elle n'a reçu les documents qu'en anglais et qu'elle ne peut donc pas se prononcer tant qu'elle n'a pas les traductions en français. Et par ailleurs, encore ces derniers jours, nous recevions des documents que nous n'avons pas pu examiner. Voilà ce que nous disions à l'audience initiale. Et que la Chambre me permette d'ajouter que hier encore, nous avons reçu des documents. Donc, ce que je disais à l'époque est toujours valable. Je poursuis. Il semble que pour certaines personnes, il puisse y avoir des questions qui se posent quant au lien avec S21. Donc, la seule chose que puisse dire la défense, c'est que, premièrement, tant que nous n'avons pas tous les documents en français, nous ne pouvons pas nous prononcer et nous nous réservons donc jusque pendant le débat de fond pour pouvoir soulever des problèmes s'il se révèle qu'une partie civile ou qu'un auteur des parties civiles n'a pas réellement été une victime de S21. Mais, bien entendu, pour toute personne qui justifiera que son auteur était victime à S21, il n'y aura pas de discussion de la défense. Et Monsieur le juge Lavergne, à ce moment-là, pose la question, si je peux me permettre, pour essayer qu'on ait bien une compréhension parfaitement claire de ce que vous venez de nous dire, est-ce que vos réserves concernent plutôt le bien fondé des demandes que la recevabilité des demandes de constitution de partie civile. Et je reprends, Maître Roux, si des personnes croient que leur auteur est décédé à S21
Et si il s'avère que ça ne soit pas le cas, c'est la recevabilité elle-même qui sera en cause, me semble-t-il. Monsieur le juge Lavergne reprend, parce que je crois qu'il doit être bien clair pour toutes les parties qu'à ce stade, nous n'allons pas entrer dans un examen sur le fond des demandes. Nous sommes simplement dans une appréciation sur l'apparence de l'existence d'un préjudice. Et monsieur le juge ajoute, et bien évidemment, au moment de l'audience sur le fond, nous y sommes. Sur le mérite, nous devrons examiner chacune des demandes pour être bien certain que, effectivement, le préjudice allégué existe. Donc, vos réserves concernent plutôt le fait que vous avez exprimé peut-être certains doutes quant à la réalité du préjudice. Mais à ce stade, sur la recevabilité, concernant l'apparence, est-ce que vous avez des observations à formuler ? Réponse de Maître Roux, donc de moi-même, sur la recevabilité provisoire. Prima facie, pas de problème. Mais j'exprime une fois encore les réserves sur ce qui peut apparaître au cours des débats au fond. Monsieur le juge Lavergne, d'accord. Nous sommes en l'état. Nous sommes en l'état des réserves que j'avais émises et pour lesquelles la Chambre m'a donné son accord. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, les avocats des parties civiles ont réellement, et ce sera juste au sens de mon intervention rapide, ont réellement n'ont pas procédé à ces observations de mauvaise foi ou en essayant de jouer sur les mots du règlement intérieur. La base, la motivation pour nous est la suivante. Il y a eu une audience préliminaire. Et après cette audience préliminaire, il y a eu des décisions sur la recevabilité. Nos parties civiles, on leur a dit, il y a 4 ou 5 mois, après cette audience préliminaire, vous êtes partie civile et il y a des droits à l'article 23, paragraphe 6 du règlement intérieur, le fait qu'une constitution de partie civile soit admissible donne des droits aux parties civiles. Et ces parties civiles, nos parties civiles, ont joui de ces droits depuis des mois. Elles viennent assister aux audiences, elles viennent à Phnom Penh, on leur explique ce qu'il se passe. Certaines sont venues témoigner, elles n'ont pas prêté serment comme il se doit parce qu'elles sont parties à la procédure. Mais depuis des mois, parce que nous avons considéré qu'après l'audience, selon notre lecture de bonne foi du règlement intérieur, nous a laissé comprendre que les questions d'admissibilité soulevées par les parties n'étaient plus à ce stade. Nos parties civiles ont eu des droits qu'elles exercent depuis des mois. Et aujourd'hui, à quelques semaines ou quelques jours de la clôture, on vient nous dire peut-être vous n'êtes pas admissible, vous n'êtes pas une partie civile. Vous n'êtes pas une partie civile. Tous les droits dont vous jouissez depuis 5 mois, on vous les enlève, vous n'êtes plus une partie civile. Alors, je comprends la règle 100 et je suis d'accord qu'il y a une certaine ambiguïté parce qu'effectivement, vous avez la possibilité jusqu'au jugement de déclarer une partie civile inadmissible, mais c'est vraiment notre responsabilité de se lever quand la défense, à la dernière heure, vient nous dire que notre partie civile soit admissible, de dire, écoutez, vous auriez pu vous lever, vous aviez les pièces, rien n'avait changé, c'est pas des éléments nouveaux, le monde de filiation était déjà connu à l'époque, il y avait des problèmes d'interprétation, soit on a depuis le début, vous auriez pu à l'époque, nous dire, pour pas qu'on fasse croire à nos parties civiles qu'elles sont parties civiles depuis 5 mois, alors qu'en fait, peut-être qu'elles ne le sont pas. Maintenant, un dernier point, Maître Roux, encore une fois de bonne foi, sur la reconnaissance provisoire. Et vous avez cité vos mots, et je le respecte, j'ai lu, et je vous ai d'ailleurs cité, vous avez absolument émis des réserves, et nous le comprenons, ça commence à être les réserves de la défense, ça n'engage pas les parties civiles. Mais si vous prenez par exemple, et c'est là une partie civile du groupe numéro 4, E226, M. Hu, qui est venu témoigner en vidéoconférence
avec Maître Finel depuis Paris. Monsieur Hu, on a une décision ici, juste pour vous montrer que réellement nous avions compris qu'il y avait plusieurs stades distincts dans la procédure. Monsieur Hu, j'ai sous les yeux une reconnaissance provisoire en tant que partie civile notifiée le 29 janvier 2009 à Monsieur Hu. Donc à Monsieur Hu, le 29 janvier 2009, on lui dit, Monsieur Hu, et je cite le point numéro 2, vous êtes maintenant provisoirement reconnu en tant que partie civile à la procédure jusqu'à l'audience initiale concernant la présente affaire, audience à laquelle votre demande sera examinée conformément à la règle 83 du règlement intérieur. Et ça a été la procédure sur laquelle nous nous sommes basés, à laquelle nous avons fait confiance, à savoir qu'il y avait des reconnaissances provisoires et que selon les règles que j'ai mentionnées du règlement intérieur, à l'audience initiale, les parties, si elles le souhaitaient, émettaient des observations, il y avait des décisions. Ensuite, on donne à nos clients des droits. Nos clients exercent ces droits depuis des mois et nous simplement, de bonne foi, réellement, c'est pas parce que nous aimons nous écouter ou nous nous levons pour faire perdre du temps à la chambre, mais réellement, nous contestons le fait qu'aujourd'hui, aux trois quarts et demi du procès, la défense vient et dire « Ah, eh ben, inadmissible, ce n'est pas une partie civile. » Nous contestons cela sur la base du règlement intérieur. C'est simplement cela. Merci. Chơi lục bây giờ bí un mot de réponse. Je crois que la réponse, elle est à l'article 100 du règlement intérieur. La Chambre a le droit, jusqu'à la fin, d'apprécier, c'est le paragraphe premier, la Chambre apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile. Donc jusqu'à la fin, vous pouvez vous prononcer et jusqu'à la fin, vous pouvez demander des observations des parties. Voilà. Et nous avons fait nos observations et nous attendons maintenant les observations des parties civiles. Je rappelle que hier soir encore, nous avons reçu des documents venant des parties civiles, ce qui pose un problème. Ông chấm rẻ dù tha bà đại bà đôi ơi mì tử vi tỏ tùl khả nê là biếm ní và hai chìa bồn bèo ngay tiết có mần chọp đài lược lên tại phê đệch lụ của nó. Hời phèn ca này ông sạm nạ cá nơi rửa xuyên ní kia ca chạm mạnh tờ rơi xâm rạ trầm mong bày xàm sập nhật tí đầy độ khlia từ bị chung bị phía xá phư sự cái đầy này nóm đó phía ký nó không cả đánh đau chồng phô xạ xây bánh chạm vì tạm trả rất rồi bỏ chân chọc chào thật ta từ tạm vị thi na vừa đặc biệt na đâm bay ao việt trầm tư bồng phốt được khả năng đâm na cá rồng chật thịt thoa được khả năng đường cái đây ni hai địch chân này ao chấm rẻ bậc ca a đâm na cá sạm na cá sầm rập thằng ngày ni trầm ni đâm na cá sạm na cá lược từ còn to nơi ngày ai chập vì mong trầm buồn bực đôi sọp đong anh rẻ một tí không kháng ao nom chuẩn đẹp cho tất cả một tí không kháng vĩnh hay ao nom quát một căn xa xạ mạc cá nơi rực ngày say ao bàn môn mong buồn